Hello guys, ça c'est une histoire de Sugar Daddy. Sugar Daddy qui a rencontré cette jeune dame qui s'appelle Tonya. Ça se passe en Jamaïque. Une histoire qui fait peur. Ils se sont connus en 2007. En 2015, les choses ont commencé à être bizarres. 2019, c'était pas bon. Les hommes riches. Sugar Daddy, le mec, un businessman. La fille, celle-là, Tonya là. C'est une jeune dame, voilà, ils sont en train de partir maintenant. L'histoire nous fait partie maintenant à Portland, en Jamaïque. Elle a croisé un sugar daddy, 51 ou 52 ans. Ça défile là, vous pouvez lire là-bas en anglais. Donc elle a croisé le mec il était marié. Le monsieur, le businessman, le richman, il était marié. Il avait sa femme. Et sa femme, en tout cas, elle savait que celle-là, c'était sa rivale. Parce que le monsieur, il a l'argent, il ne cachait pas son histoire. Donc il y avait des histoires entre la femme et la jeune dame qui est là. Il y avait les palabres là-bas. Le monsieur qui est là. 52 ans, non? 52 ans, je crois qu'ils vont dire son nom, Everton. 52 years old, il y a 52 ans. Voilà, c'est la jeune dame qui est là. Donc, c'est une reconstruction. Donc, la dame, le gars s'est traversé là-bas. Et le téléphone boum grand, là. C'était le téléphone de celle-là. La femme avait boum dans le téléphone parce que voilà, c'est elle le téléphone là que elle ça s'envoyait les textes d'amour et tout ça. Donc la femme a boum dans le téléphone là. Et c'est ça là qui a été le last straw, c'est ça qui a été même le déclic. Quand il a boum dans le téléphone comme ça, que son mari a acheté pour sa maîtresse là. Après ça, la femme elle a douf. Il n'a pas aimé en tout cas le comportement de la femme. Allez, quand elle a boum dans le téléphone que j'ai acheté pour ma tisa. Ça a commencé à être maintenant tout V-I-O-L-E-N-T. Ça a commencé à être trop, you know what I mean? Donc il a deux femmes. Et toi, tu vois un mari qui douce sa femme comme ça. Bon, tu sais pas si c'est celui qui a douf, mais quand même, tu vois que une femme a douf comme ça, tu t'en habité dans sa maison. Les femmes là, vous prenez des risques. Vous prenez des risques. Il n'a pas aimé ça. Non, après ça, la femme a douf. Comment ça s'est passé? On ne sait pas. Mais tout ça, là, ça a sorti après. Boum, non, t'es pas dit le loumou là. Donc il a fait ça là, quand ils ont fait ce dernier nyaga là, téléphone cassé, tout ça là, la femme, elle a douf. Qui a douf la femme, c'est après vous allez savoir. Donc cette jeune dame là, elle a trouvé son sugar daddy, mais elle va venir habiter dans la maison. Elle vient habiter dans la maison là. C'est là que les problèmes ont commencé. Le monsieur, il est âgé. Donc il est toujours sur le garde. C'est-à-dire, tu es un jeune, tu causes à elle ses problèmes. Il est devenu maintenant parano. À cause de cette relation, son papa m'a été douf en 2018. Ça m'a pas été douf. 2018 à côté là, ça m'a pas été douf. Il est parano parce que voilà, c'est une belle jeune fille. Lui là, il a deux fois son âge. Donc elle maintenant, ça a commencé à la fatiguer. Donc comme ça a commencé à la fatiguer là, elle a commencé maintenant à faire les choses dehors. Elle a trouvé un mec policier. C'est une reconstitution, mais elle a trouvé un mec policier qui est de voilà indien. Voilà, parce que les Indiens sont aussi en Jamaïque là-bas. Donc c'est comme ça aussi. Elle partait s'amuser de temps en temps avec le monsieur. Elle partait passer un bon moment avec le monsieur. Et son mari qui est lui là, il savait ça. Et lui disait à chaque fois que tu me trompes. Elle est là, elle pense qu'il est en train de dire des choses parce qu'il dit des choses. Et elle continuait ses trucs. Elle continuait son truc avec son nouveau mec, son policier. Et le gars, il la mettait sous surveillance. C'est-à-dire détective privé, tout ça. Alors, en tout cas, il avait les preuves qu'il avait trompé. Et quand il vient à la maison, c'est pas là. Par là, quand ils confisquaient même son téléphone. Et il y a un monsieur qui travaille pour eux là. Voilà, il travaille pour eux, il entendait tous ces palabres là. Voilà, il entendait tout ça. C'est le couple qui est là dans la communauté, ils font comme si rien n'était, comme si tout va bien, mais ça n'allait pas à la maison. Donc, quand ça va pas comme ça, elle va s'amuser avec son nouveau policier. Elle va vous amuser. Tout ça là, il sait. Il lui dit, ah, tu me trompes. Elle dit, oh, oh, oh. Et ce qui va se passer est grave. Donc elle rentre à la maison comme si de rien n'était. Voilà, elle fait comme si de rien n'était. Il lui dit toujours que, comment? Elle me dit, oh, elle dit, oh, oh, il n'y a rien. Et il a décidé maintenant d'utiliser le monsieur qui travaille pour eux là, pour finir avec elle. Ça, c'est son papa et puis sa maman, la fille là. Son papa et sa maman, ils ne voulaient pas la relation. Bien qu'elle ait été mariée, ils n'aimaient pas la relation. Donc le monsieur, il a décidé de douf son papa. Parce que son papa était en train d'intervenir, il les embêtait. Donc le monsieur a décidé de douf le papa. Donc il a douf le papa. Elle veut douf aussi le douffeur de son papa. C'est comme ça que l'histoire a commencé à se compliquer. Elle veut douf le douffeur de son papa. Donc elle veut payer un pistolet pour douf celui qui a douf son papa. Et celui-là,
au palais de justice, il a dit que celui qui a douffé là, lui là, c'est lui là qui a dévoilé là-bas. Au palais de justice, après, quand elle est douffe là, qui va raconter tout ça là. Donc voilà, elle voulait payer un truc, le truc là, pour douffe celui qui a douffé son papa. Alors que celui qui a douffé son papa, et puis quand elle a dit qu'elle veut douffer celui qui a douffé son papa, elle a dit ça devant son mari, qui est lui-même le douffeur. Donc quand elle a dit ça là, le mari sait maintenant que voilà, elle veut payer un truc pour douffe celui qui a douffé son papa. Lui aussi, il est au courant. Donc ce qu'ils vont faire maintenant, c'est pour la douffe. Parce que si elle prendra que c'est son propre mari qui a douffé, elle, son papa là, c'est pas bon. Donc il a décidé de prendre ce jeune là pour elle la douffe. Donc ils ont tenté de la douffe, ça marchait pas. Dieu là, il a échoué plusieurs fois pour la douffe. Il a échoué plusieurs fois. Ils ont tenté une première fois de la douffe. Elle est sortie de sa voiture. Elle a senti quelque chose. Elle a commencé à gazer pour aller. Puis elle est rentrée. Sécurité l'a fait rentrer dans la maison. Elle a senti qu'il y avait quelque chose. Parce que le monsieur n'avait pas voulu qu'une troisième personne soit involve. Le monsieur avait voulu que lui là, il a douffe sans que quelqu'un ne soit au courant et tout ça. Mais lui aussi, il avait un peu de sentiment dedans parce qu'il sortait, elle. Sans que je suis sûr que le monsieur ne sache. Donc il a raté plusieurs fois jusqu'à ce qu'il prenne une troisième personne parce qu'il dit que s'il ne faisait pas ça forcer, le monsieur allait trouver une autre personne. Quand le mec a échoué, les appels d'invalène ou quoi là, quand il a échoué, le mec là, il était découragé de lui parce qu'ils ont essayé plusieurs fois de la douce, ça n'a pas marché. Donc il n'était pas content de lui. Donc il fallait qu'il trouve quelqu'un. Le mec maintenant il n'avait plus confiance en lui. Donc il a dit que s'il ne faisait pas forcer, le mec allait faire. C'est lui qui a trouvé la troisième personne qui était dans la voiture là. C'est lui qui a trouvé cette troisième personne là pour faire le boulot. Donc ils ont pris une troisième personne qui s'appelle Oscar. Et c'est cette troisième personne là. Il partait pour prendre le pistolet d'après ce que le monsieur a dit au trial, ce qu'il a dit au palais de justice là. Il partait maintenant pour prendre ce jour là. Il est en train de partir pour prendre le truc pour douffe la personne qui a douffe le papa. Elle ne sait pas que la personne qui a douffe là, c'est son propre mari. Mais ils sont en prendre le truc comme ça pour douffe. Parce que si elle a ça, là, elle va douffer. Je ne sais pas même comment elle allait faire. On dit qui douffe par l'épée, périt par l'épée. Donc, ils sont vont pour prendre. Ce jour-là, elle dit, mais comment on s'en va? Et puis, tu dis, on doit partir à une troisième personne. Pareil, ce jour-là, dans la voiture, c'est elle qui conduisait. Il y avait une troisième personne dans la voiture. Ils ont conduit. C'était la nuit, c'est une reconstitution. Ils ont conduit jusqu'à arriver un moment. Celui qui doit la douffe, là. Parce que lui, là, ce qui s'est passé, ce que j'ai oublié de vous dire. Lui, là, il sortait aussi avec elle, arrivé un moment. Donc malheureusement, le gars s'appelle Dan Valen. Malheureusement, il a dit à la femme qu'ils vont aller chercher son truc. Ils vont aller chercher son truc et bien, il y aura une troisième personne qui sera là. Bon, elle a fait confiance au mec parce que voilà, elle saurait lui. Donc elle a fait confiance au mec. Donc ils sont partis ensemble à trois. Déjà, le troisième, c'était le monsieur qui allait finir elle. Elle, pourvu qu'elle gagne son truc, c'était le plus important. Troisième personne, le quatrième personne, elle s'y est pas pour prendre son truc seulement. Elle s'est arrangée, donc elle a fait peu confiance et puis ils sont partis. Elle sortait le mec là. Son mari ne pouvait pas penser quoi que ce soit parce que son mari il avait tellement confiance en ce mec là, Devlin. Parce qu'il a laissé sortir des fois elle pour aller faire des courses. Même l'argent du mec, même c'est lui-même qui attrapait souvent. C'est-à-dire qu'il y avait tellement la confiance, elle était devenue proche de lui qu'il y avait maintenant, voilà, ils ont eu à avoir des relations. Donc elle n'avait pas peur, elle se disait que voilà, elle était dans de bonnes mains, elle s'en prend son truc. Pour douffe la personne qui a douffé son papa. Et c'est quand ils sont arrivés là-bas, là, celui qui est la troisième personne qui était dans la voiture, là, il lui a dit, arrivé un moment, arrête la voiture. Arrête la voiture là. Elle dit, mais comment ça se passe? Elle a commencé à sentir qu'on dirait ça ne va pas. Parce que cette personne, elle ne le connaît pas. Hein. Elle connaît celui qui est à côté là, parce que celui-là, il travaille avec son mari, et puis avec eux, elle, voilà, elle le connaît. Et la troisième personne qu'elle ne connaît pas là, c'est lui qui a dit, arrêtez la voiture. Elle a senti que quelque chose n'était pas bon. Ce qu'ils ont fait là, ils l'ont choco, jusqu'à ce jour-là. Ils ont même fait ça ici comme ça. Et puis ils ont la voiture là, ils ont mis. Voilà. Et puis ça a brûlé. Vous avez vu? Voilà. J'ai les mots, il ne veut pas dire. Là, ils ont fait ça. Après, ils ont brûlé. Même pas qu'on tourne des traces. Plus pas qu'on tourne des traces, ils ont fait ça. Pour unir la fille. Ils ont fini elle. Maintenant, le trial a commencé. Quand elle a douffé là, c'était devenu un peu de trop. Parce que toi, ta femme a douffé. Voilà ta deuxième femme encore qui douffe. Maintenant, voilà les problèmes arrivés. Maintenant, premier problème, ils ont pris drap que c'est lui. Parce que lui, là, il a dit tout là-bas. Il a dit tout là-bas comment? Il a dit là-bas parce que l'argent que la femme devait lui donner pour le truc, là, c'était la moitié de ce que lui, il devait donner. Parce qu'il devait avoir, je crois, 3 millions de dollars, un truc comme ça.
Tout ça, c'est écrit, vous pouvez lire après. Il devait donner 3 millions de dollars. Donc, quand le monsieur n'a pas donné l'argent, après que celle-là soit douf, là, et là, lui, il est parti maintenant au poste de police pour dire toute la vérité. Dans toute la vérité, là, ça arrivait maintenant à faire de sa femme, première femme qui était douf, là. C'est passé maintenant dans les news, au Jamaïque, en Jamaïque, là-bas, c'est passé dans les news. Donc, ils sont en train de rêver maintenant l'histoire. Il va payer pour sa femme qui est partie, parce qu'on sait maintenant que c'est lui qui a sûrement planifié pour la douf de sa femme. Et pour la deuxième femme aussi, c'est gâté. Donc ça, c'est pour donner leçon à faire des choses à Daddy, là. Surtout à les personnes riches. On dit comme celui-là, il est riche là-bas. Première douf de sa femme, là, c'est pas allé quelque part. Il s'est remarié, donc ils ont pris ça, ils ont mis ça aux oubliettes. Mais à cause de cette deuxième douf là, avec la douf de son papa aussi, il a fait maintenant 3 douf. Donc lui, là, il est dans pain. Il est dans un pain même. Et apparemment, son trial commence en 2024. Ça va commencer en 2024. Ça, c'est si ça commence. Parce qu'un homme riche, qu'est-ce qui va se passer? Bon, apparemment, les yeux sont sur les autorités. Parce que franchement, ça fait maintenant 3 douves et c'est de trop. Et c'est un witness, c'est-à-dire un témoin oculaire qui était là même. Qui allait même se donner à la police. Parce que lui n'a pas eu son jeton dans tout ça. Là. Il a eu que la moitié de son jeton. Parce que l'angle devait prendre pour payer le truc là. Le monsieur a dit, prends cet argent en avance. Tes hommes, il n'a pas donné. En 2020, ça s'est passé. Devlin, lui qui explique au trial, lui qui explique, il était là. Il était là, il a vu tout ce qui s'est passé dans la voiture. Il était dehors et puis il regardait tout ce qui s'est passé. Il dit, franchement, c'est lourd. C'est très lourd. Déjà, même la manière même que l'histoire a commencé, ce n'est pas une bonne manière. Jeune fille de 19 ans, naïve. Bien sûr que tu es avec un monsieur comme ça. Ces messieurs-là, ils vont devenir parano. Lui, il va devenir parano. Il a 50 ans, tu as 19 ans. Donc, c'est ça la paranoïa. Là. Il était maintenant insécure. Voilà. Du coup, malheureusement, voilà comment ça finit. Lui n'a pas eu son jeton. Il allait tout laisser là-bas, il a dit toute la vérité. Jetons, ils ont proposé là, c'est bon jetons. Donc, c'est, malheureusement, ça l'a intéressé. Donc, il était là le jour où ça s'est passé. Mais il n'a pas pris part. Mais il a vu tout. Il a vu tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est ce qu'il raconte. Hein. C'est ce qu'il a raconté au trial. Voilà, il faut que ça serve de leçon hein, à vous qui regardez là. Franchement, il faut que ça serve de leçon. Donc, en tout cas, c'était moi, des faux stars. J'ai fini pour cette nuit. Passez une très bonne nuit. On se voit dans une autre vidéo. Ok? Take care. Bye.